Bonjour, bon dia à tout le monde. Et pour nous, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce colloque. Bonjour, c'est un plaisir de recevoir à vous en ce colloque. Et pour informer, vous êtes dans la partie d'abaixo, dans l'interprétation, la possibilité d'écolier votre idioma, por favor, aux personnes qui parlent portugais, ou français ou espagnol. En bas l'écran, il y a un petit bouton d'interprétation. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Donc, il y a la possibilité de choisir en français, en espagnol ou en portugais. Bon, vamos commencer este colloquio. En premier lugar, quisiéramos agradecer a nuestros participantes del día de hoy por la compañía, por la participación. Estamos muy contentos de poder comenzar este proyecto que vamos a estar hablando durante el coloquio. Nous avons le plaisir aujourd'hui de commencer ce projet. Comme vous le savez, dans la promotion, c'est le premier pas d'un projet qui va se tenir pendant les deux prochaines années. Donc, nous allons en parler un peu plus au cours du webinaire. Maintenant, nous allons dans la première partie, qui est la bienvenue. Donc, je donne la bienvenue à notre secrétaire général, le docteur David Julien, qui va nous offrir quelques mots de bienvenue. Et David, c'est à vous le microphone. Merci beaucoup, Fernando. Good morning, everyone. Buenos días a todas y a todos. Mais surtout, bonjour et bon dia aux collègues du Québec, aux collègues du Brésil qui se joignent à nous. Vous savez, sur la scène internationale, on nous demande souvent d'où on vient et de dire un pays, un Canada ou un Québec, un État, c'est souvent une partie qui nous identifie, mais pas toute. Moi, je dis souvent que je viens de Montréal, alors ce projet-ci me fait très plaisir parce que je pense que Montréal est une ville, justement, où l'innovation et fait partie intégrante là, de notre vie. C'est une ville universitaire aussi, puis c'est une ville où la ville est vraiment partenaire. Donc, l'idée de faire un projet bilatéral avec le Parana pour partager les bonnes pratiques, qu'est-ce qui se fait dans le fameux triangle entre les universités, entre l'industrie, entre la société civile et les différents paliers de gouvernement, pour nous, était très important. Donc, je suis particulièrement content qu'on ait pu compter et je remercie le soutien du gouvernement du Québec à travers le financement reçu du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et nos principaux partenaires dans le cadre du projet. En premier lieu, la Ville de Montréal à travers le CROUM, le Centre de recherche urbaine de Montréal, et qui nous a permis de faire des liens avec d'autres chercheurs, d'autres universités. Aujourd'hui, vous aurez la Polytechnique Montréal qui est là, vous avez l'École de sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal également, et d'autres partenaires là, comme une fondation, David Suzuki et autres, qui pourront vous entretenir. Y también un saludo especial a los colegas do Brasil, a partir da Secretaría do Estado, director da Innovación y Tecnología, a Fundación Aura Cauria y los profesores das universidades federais técnicas do Paraná. Para nós será hoje un punto de inicio do projeto, mas una oportunidad de por a mesa, mettre la table conceptuelle pour le projet. Entonces, obrigado a todas y a todos por la su presencia y dejo la palabra a los expertos para la actividad. Ok, David, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec des mots de bienvenue de notre partenaire, le CROUM de la ville de Montréal. Donc, on va laisser à la directrice, Madame Valérie Poulain. Merci beaucoup, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bon dia et bienvenidos a todos. La ville de Montréal est très heureuse de participer à cette activité. Cette activité qui s'avère riche, à coup sûr, porteuse de futurs partenariats entre le Brésil et le Québec en matière de processus d'innovation et de science. Alors, la Ville tient à remercier tous les participants, les organisateurs et bien entendu l'Organisation universitaire interaméricaine qui pilote cette initiative mobilisant des experts québécois, des experts brésiliens. Et dans le but de tout ça, là, de faire rayonner la science et de générer des collaborations entre eux, ainsi que la Fondation Araucaria.
La Ville de Montréal remercie également le ministère des Relations internationales et de la Francophonie qui appuie cette initiative. Alors ici, comme vous le savez, il s'agit d'explorer ensemble des stratégies visant à engager les citoyens au processus d'innovation et au développement des écosystèmes d'innovation. L'engagement des citoyens dans toutes les phases de développement des projets économiques, des projets d'aménagement ou d'autres s'avère évidemment essentiel. En 2022, la Ville de Montréal possède une longue tradition de participation citoyenne par le biais notamment des consultations de tout ordre et sur des sujets très divers. La Ville de Montréal est fière de participer à ces discussions à la fois par le biais du Carrefour de l'innovation urbaine. Qui nous a appuyé. Une initiative phare du Service de développement économique. Ce qu'on appelle le CRUM a été institué en mars 2020 afin de stimuler les partenariats entre l'enseignement supérieur et la Ville de Montréal. Il s'agit précisément de faciliter un transfert de connaissances, de favoriser des collaborations avec le milieu de la recherche pour faire émerger finalement des solutions innovantes qui répondent aux enjeux urbains et aux défis des entreprises. Donc, une culture de la science, autant pour l'administration de la Ville de Montréal que pour tous les partenaires de l'écosystème. Ainsi que par le biais des laboratoires d'innovation urbaine de Montréal qui travaillent étroitement avec les citoyens sur un certain nombre de dossiers. D'ailleurs, notre collègue Maxime Thibault-Vizina, spécialiste d'innovation et de processus collectifs, interviendra sur le second panel relatif aux expériences, aux apprentissages sur la participation citoyenne en innovation. Et il vous partagera des éléments d'importance là, en matière d'implication des citoyens montréalais sur tout le processus d'innovation. Alors, en espérant vous retrouver à une prochaine activité de transfert de connaissances à Montréal, je vous remercie encore et je remercie toutes les personnes qui sont ici, les organisations impliquées dans ce beau projet. Évidemment, je suis impatiente de voir les beaux échanges et les collaborations qui feront ensuite. Agradezco vossa participação. Tenham un bon dia. Merci. Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes mots. Et bon, et nous avons une petite salutation de M. Rémi Quirion. M. Quirion, c'est le scientifique en chef du Québec. Et donc, malheureusement, il ne pourra pas être présent avec nous, mais il est très content de ce projet-là. Donc, le Fonds de recherche du Québec appuie ce type d'initiative. Il voulait aussi se vinculer avec cette petit mot de bienvenue. Donc, on va partager le mot de bienvenue et on commencera avec le panel 1. Anna, s'il vous plaît, le vidéo. Bonjour tout le monde. À titre de scientifique en chef du Québec, je suis très heureux de voir naître la collaboration entre la Ville de Montréal et l'État du Parama. Une première résultant d'un partenariat entre l'Organisation universitaire intra-américaine, le Carrefour de la recherche urbaine de Montréal, la Fondation Aracacia du Parama pour le soutien de la science et de la technologie, et aussi un appui financier du ministère des Relations internationales du Québec. Le sujet de la collaboration, du projet de collaboration entre l'État du Parama et la Ville de Montréal, la participation citoyenne à de grands projets. On peut penser ici au changement climatique, on peut penser ici à la perte de biodiversité. Donc, afin de résoudre les grands défis de société, il est vraiment essentiel de faire travailler en collaboration les citoyens, citoyennes, les chercheurs et les décideurs de nos gouvernements. Donc vraiment, l'objectif du projet de collaboration est très ambitieux, mais avec vous, en partenaire, on espère avoir des résultats très concluants au cours des prochaines années. Bon succès! Bon,
Alors, nous passons au panel 1. Oui, donc je voudrais donner la bienvenue à nos participants pour ce panel-là, que c'est le docteur Catherine Baudry, qui est professeure titulaire au département de mathématiques et de génie industriel au Polytechnique de Montréal, et au docteur Michel Jorge Samaha, qui est le superintendant des sciences et technologies de l'État du Paraná, et à monsieur André Teles, qui sera le modérateur. Donc, je voudrais présenter monsieur Teles et il présentera à son tour les panélistes. Donc, professeur Teles est un certificat en technologie et entrepreneurship et de Harvard University et de l'Université de San Diego, en Californie. Et il a des études en administration pour la Business School de FAE. Une spécialisation en innovation et gouvernance intelligentes avec différents projets qui sont travaillés avec la ville de Barcelone et le gouvernement de Catalogne. Il est un professeur de la PUCI, Pontificia Universidad Católica du Paraná, est écrivain et auteur de 5 livres qui sont relationnés avec le thème de la technologie et l'innovation. Et donc, en plus de sa participation dans différentes associations brésiliennes, il est associé à l'association brésilienne de l'Internet des choses et directeur de technologie. Donc, merci beaucoup, André. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce panel. Donc, je te laisse la parole, je te laisse pour présenter nos panélistes. Bonjour, j'ai apprécié l'invitation et si me permettez, vou começar a falar em português. Então, bom dia a todos que estão nos acompanhando, aos colegas que estão fazendo parte desse painel. Eu vou fazer uma breve apresentação dos painelistas que estarão conosco durante o painel que vai tratar da questão da participação cidadã. O painel é Estratégias e Políticas para Promover a Participação Cidadã nos Processos de Inovação. Então, é algo bastante importante, porque quando a gente trata de inovação, nós estamos falando da geração de valor, né? Quando a gente cria algo novo ou quando a gente melhora algo já existente, que gere valor para um determinado público. E isso ele pode se dar tanto em produtos quanto em serviços, mas também em processos, né? E esses processos em que se escuta a população, eles estão extremamente ligados e relacionados à temática de governos inteligentes, cidades inteligentes. Então, vai ser um prazer poder escutar aqui os meus colegas, os quais eu vou fazer uma breve apresentação dos seus mini currículos aqui. Então, nós teremos neste painel o Dr. Michel Jorge Samaha. Ele é professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná. É doutor em Ciências Sociais e desenvolve pesquisas em economia política, economia comparada e sociologia econômica. Ele já ocupou cargos como secretário da Fazenda e de Governo, e atualmente ocupa o cargo de diretor-geral na Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a nossa SET. A outra painelista é a Catherine Boudreau, não sei se pronunciei exatamente o sobrenome dela. Ela é professora do Departamento de Matemática e Engenharia Industrial na Polytechnique de Montreal. A Catherine, ela é PhD e mestre em Economia pela Universidade de Oxford. Também é professora titular do Departamento de Matemática e Engenharia Industrial e titular da TIER, Canada Research Chair in the Creation, Development and Commercialization of Innovation, na Polytechnique de Montreal. Ela também é membro
fundadora da Global Young Academy. Desta forma, né, realizadas as devidas apresentações, quero dizer também que é um prazer a gente poder estar aqui trocando um pouco das experiências entre o Paraná e Quebec, né, que é uma cidade mundialmente conhecida por seus processos de inovação e de desenvolvimento socioeconômico. Então, eu vou começar pedindo para que a Catherine, né, explique um pouco como que ela entende essa questão relacionada à participação cidadã, né? O quanto a participação cidadã pode ajudar em processos relacionados à inovação aberta, a governos que tenham esse processo de escuta mais digitalizado. Enfim, eu gostaria de começar, então, escutando um pouco da experiência da Catherine relacionada a essa questão de participação cidadã. Obrigado, André. Uhum. André, por esse primeiro panel, vamos deixar, porque a Catalina tem uma apresentação da mesma que o professor Samaha, e depois vamos trocar pelas questões. Ah, perfeito, perfeito. Começamos, então, com a apresentação da Catherine. Por gentileza, Catherine. Perfeito. Então, j'imagine que c'est... J'ai fermé la traduction française parce que j'ai deux traductions en même temps. C'était très difficile à suivre. Donc, attendez un petit instant, je vais partager mon écran. Oui, je veux juste renchérir sur ce que vous avez dit, Catherine. Effectivement, Anna Maria, si on peut juste prendre une pause, les deux traducteurs du portugais vers le français dans le canal français parlent en simultané. On a deux feeds sur le canal français. Il faudrait, entre, je crois, Diego et Alva là, se coordonner parce que c'est effectivement très dur à comprendre. Donc, je ne sais pas si le même applique à l'inverse. Merci. Mais c'est intéressant de vous entendre parce que la traduction n'est pas tout à fait exacte. Donc, on voit la variété dans notre traduction. Donc, bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir de me joindre à vous ce matin pour discuter des stratégies et politiques pour promouvoir la participation citoyenne dans les processus d'innovation. Je vais faire un état de la situation, mais très bref. On va surtout vous poser des questions. Je n'arrive pas à changer. Voilà, excusez-moi. Bon. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en novembre 2020. Et ceux qui étaient présents, vous vous rappellerez, bon, j'avais fait une présentation en anglais à l'époque sur les écosystèmes d'innovation et j'avais abordé les différents types d'écosystèmes d'innovation, les défis reliés aux écosystèmes et les différents indicateurs de ces écosystèmes-là. Donc, j'ai repris le plan de la présentation ici. Donc, on va reprendre où nous sommes laissés. Donc, il y a un « nous » de trop dans mon texte. Désolée. Alors, voilà. Donc, un petit rappel. Où doit-on chercher la participation citoyenne? Donc, si vous regardez le continuum ici, vous avez les activités d'innovation à gauche, l'innovation en tant que telle. Et puis ça, c'est une vieille mouture du manuel d'Oslo. Là. On va parler d'une version plus récente dans un instant. Et dans le fond, les résultats de l'innovation, donc ce qui compte, les bénéfices économiques, sociaux, environnementaux, la réduction de la pauvreté, les activités culturelles, le maintien du climat autant que possible. Donc, on devrait chercher la participation citoyenne dans ces trois éléments-là, donc en amont et en aval de l'innovation et puis pour l'innovation elle-même. Donc, j'ai regardé les définitions du manuel d'Oslo, la dernière version qui date de 2018. Et contrairement aux précédentes versions du manuel d'Oslo, bon, de 2005 par exemple, en 2018, on voit apparaître l'innovation sociale. Donc, c'est une innovation assortie d'objectifs sociaux liés à l'amélioration du bien-être des individus ou de la collectivité. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que l'innovation sociale peut être aussi une innovation d'entreprise ou est-ce que l'innovation sociale doit s'intégrer dans l'innovation d'entreprise?
ou est-ce que l'innovation d'entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux? Donc, comment ce concept-là a été développé? Donc, où se trouve l'implication citoyenne dans le manuel d'Oslo? C'est un peu, c'est pas le but de ma présentation aujourd'hui, mais ça se retrouve en filigrane un peu partout. Donc, juste pour expliciter ce que c'est l'innovation d'entreprise, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont familiers avec l'ancien manuel d'Oslo, où justement on séparait l'innovation en innovation de produits, innovation de procédés, innovation de commercialisation, innovation de méthode organisationnelle. Donc ici, l'innovation d'entreprise se décline maintenant en deux grandes catégories, l'innovation de processus d'affaires et l'innovation de produits. Donc, on a regroupé les innovations de procédés, de commercialisation et organisationnelles sous la grande bannière innovation de processus d'affaires. Donc, où se trouve l'implication citoyenne là-dedans? Bien, il faudrait qu'on retrouve cette implication-là dans la façon de produire les biens et les services, dans la distribution et la logistique, dans la commercialisation et les ventes, dans les systèmes d'information, dans l'administration et la gestion, dans le développement, dans tout le processus de développement de produits. Donc, il faudrait que l'innovation sociale se retrouve un peu partout dans chacune des boîtes bleues que vous avez ici. On a aussi une autre façon de considérer, bon, ici c'est le développement durable, mais une des choses qui m'intéressent en ce moment, c'est de regarder comment les objectifs de développement durable peuvent être amenés dans le processus d'innovation. Donc, pour parler ici d'innovation durable ou responsable ou inclusive. Donc ici, les trois cercles que vous avez sont les dimensions écologiques ou environnementales, l'économie et évidemment le volet société ou social qui nous intéresse. Donc, il faudrait que la participation citoyenne se retrouve aussi partout. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, la participation citoyenne est vraiment partie prenante de tout l'écosystème d'innovation durable qui est un peu la combinaison de toutes les diapos que je vous ai présentées jusqu'à présent. Donc, l'innovation en entreprise avec l'innovation sociale, ici ces trois dimensions-là, et les différentes étapes qui mènent à l'impact sociétal, donc les activités d'innovation, l'innovation elle-même et les résultats de l'innovation. Donc, il faut retrouver la participation citoyenne dans chacune de ces dimensions-là. Donc, vous imaginez que ça devient vraiment assez complexe à considérer. Bon, ici, je vous ai mis les objectifs de développement durable de l'ONU, mais vous avez chacun de ces 17 objectifs-là doit bénéficier de l'apport de la participation citoyenne. Donc, je vous dirais que la participation est partout si on veut avoir une relance verte, résiliente et inclusive. Donc, pourquoi elle est partout? Bon, je vous avais posé la question tantôt. Parce que le citoyen ou la citoyenne est un ou une employée. C'est un père ou une mère qui conseille ou qui prend des décisions pour son enfant. C'est un ou une enfant qui conseille ou prend des décisions pour son parent âgé. C'est un gestionnaire de ménage, donc de sa maison, prend des décisions. Est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'on va porter les choses dont on n'en a plus besoin dans des éco-centres ou est-ce qu'on les donne au prochain? C'est aussi un consommateur ou une consommatrice. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces politiques-là, que tous ces rôles que le citoyen ou la citoyenne prend, c'est une seule et même personne qui prend ces décisions-là. Donc, ça préconise une approche coordonnée de tous les éléments que je vous ai mentionnés jusqu'à présent. Bon, j'ai fait récemment, en fait, le 19 mai au Québec, le gouvernement s'est doté d'une stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation qui couvre les 5 prochaines années, donc de 2022 à 2027. Donc, j'ai fait l'exercice de chercher la participation citoyenne dans le document. C'est un peu triste, mais elle est peu mentionnée, voire absente. Est-ce qu'elle est souhaitée? Ce n'est pas encore clair. Donc, ma lecture de ce document-là, c'est que les ingrédients sont là, mais qu'on n'a pas encore de recette
pour combiner ces éléments-là. Donc, je vais survoler quelques éléments clés où la participation citoyenne est plus ou moins mentionnée. Donc, au niveau des activités de la recherche, des activités d'innovation, on retrouve la participation citoyenne, mais uniquement au niveau du système de sciences. L'allocution de Rémi Quirion était très pertinente. C'est un peu lui qui est derrière les fonds de recherche du Québec. Et les fonds ont ajouté un volet sciences et société pour essayer de comprendre les obstacles du dialogue entre la science et la société, notamment les gros problèmes de désinformation qu'on a. Et pour favoriser le dialogue, ils vont promouvoir la science citoyenne et participative. Donc, on a la participation citoyenne dans le système de science. Donc, ça, on s'entend, ce qui était à gauche, donc c'est dans les activités d'innovation, mais ici, on est vraiment au niveau science. Donc, on est loin des innovations en tant que telles. Ensuite, ici, SQRI, là, c'est évidemment la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. On mentionne, il y a tout un chapitre sur l'innovation sociale qui vise à répondre aux enjeux de société importants. Il y a quelques buts visés. Donc, le premier, c'est outiller les individus et les communautés pour faire face à des changements de paradigme en regard à la transition socio-économique du développement des territoires ou de l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, on veut outiller les individus et les communautés. Donc, on semble vouloir les aider, mais est-ce qu'on va les écouter? Ce n'est pas exactement clair la façon. Donc, comme je vous ai dit, certains éléments ou certains ingrédients sont là, mais la recette, encore, n'est pas tout à fait bien explicitée. Donc, ça me semble être unidirectionnel, ce but-là. Il y a un autre but. Appuyer l'action d'organismes communautaires ou de ministères et organismes dans la prestation de services qui répondent plus adéquatement et durablement à un besoin défini des différents groupes d'individus ou des communautés. Notamment en matière d'éducation, sécurité, santé, immigration, solidarité sociale. Donc là, on imagine que pour répondre aux citoyens, il faut les avoir écoutés. Donc, il faut qu'il ait posé des questions, qu'il ait mis des diagnostics. Donc là, on commence à voir dans la prestation de services une nécessité d'écouter les organismes communautaires, d'écouter les citoyens et les organismes communautaires. Je me suis posé la question, est-ce qu'on encourage les firmes ou les entreprises à écouter les citoyens ou avoir davantage de participation citoyenne dans le processus d'innovation? J'ai été regarder ce qui était la définition des différents organismes. Donc, quand ils ont fait la consultation, si vous voyez, on retrouve des citoyens. Donc, les citoyens sont bien nommés. Ensuite, vous avez des organismes gouvernementaux, des organismes de recherche, vous avez des organismes de culture scientifique, des organismes d'intermédiation, des organismes de soutien aux startups, des organismes d'économie et d'innovation sociale, des organismes de soutien, mais ce ne sont pas les entreprises. Les entreprises sont nommées individuellement. Donc, les entreprises ne sont pas des organismes. Donc, quand on revient ici et qu'on parle d'appuyer l'action d'organismes communautaires, de ministères ou d'organismes, on ne vise pas à appuyer les entreprises dans leur démarche de participation citoyenne. Donc ça, à mon avis, ça manque si on veut vraiment aller de l'avant. Ensuite, un troisième but visé, améliorer le développement et l'acceptabilité des nouvelles technologies qui améliorent la qualité de vie des Québécois en intégrant des préoccupations sociales à ces projets. Donc ici, implicitement, on veut faire en sorte que le développement des nouvelles technologies soit acceptable. Donc on va forcément sonder ou demander aux citoyens ou faire des groupes de discussion ou des sondages, des entrevues pour les écouter. Mais ici, si on dit que c'est l'innovation sociale qui vise ce but-là,
Ben, peut-être que l'innovation sociale doit être une innovation en entreprise. J'y reviens. Je vais faire un petit aparté. On a lancé deux zones d'innovation. Il y en a plusieurs qui sont dans les cartons du ministère. Une zone d'innovation, c'est un peu une espèce de grappe industrielle ou un pôle de compétitivité ou un cluster en anglais, mais où on va davantage créer aussi un milieu de vie qui est attractif. Donc, je me suis posé la question, où est la participation citoyenne dans ces zones d'innovation-là? Donc, une des définitions qui est intéressante, ou une des choses qui est intéressante dans la SQRI, c'est qu'ils veulent déployer des zones d'innovation et favoriser la réalisation de projets d'innovation pour rapprocher le milieu du savoir de celui des entreprises. Donc, on ne vise pas ici à rapprocher le citoyen du milieu du savoir, bien ça, c'est fait par le FRQ, ni de rapprocher les citoyens des entreprises dans les zones d'innovation. Donc, où est la participation citoyenne? Je vous dirais nulle part. Là où le citoyen se trouve, c'est que la zone d'innovation devient un milieu de vie attractif, qui est aussi inspirant pour les acteurs de la recherche, de l'innovation, de l'industrie et de l'investissement autour de thématiques porteuses. Donc, ce n'est pas vraiment clair où se retrouve la participation citoyenne dans les zones d'innovation. Donc, il faut que l'innovation d'entreprise, si on veut que ça fonctionne, soit aussi une innovation sociale et que la participation citoyenne se retrouve et dans l'innovation d'entreprise, et avec toutes ses déclinaisons, et dans l'innovation sociale. Donc, il faut qu'on se retrouve ici dans le centre du diagramme de Venn. Mais ce sont les organismes communautaires, les ministères et les organismes, bon, les intermédiaires, on va les appeler, qui sont en charge de faire l'innovation sociale. Donc, la SQRI ne semble pas faire des recommandations aux entreprises sur leur façon d'innover en incorporant la participation citoyenne. Donc, on semble s'appuyer sur les organisations intermédiaires pour prendre ce rôle d'intermédiation entre les entreprises et les citoyens au sein des différents écosystèmes d'innovation. Donc, les recommandations après le constat, dans le fond, c'est que le modèle d'innovation qui est préconisé par la SQRI est encore très ancré dans l'innovation par l'offre, ce qu'on appellerait en anglais le « technology push », plutôt que dans l'innovation par la demande, ce qui serait plutôt le « demand pull », où là, la participation citoyenne est vraiment très importante. Donc, la recommandation, c'est qu'il faut vraiment que les entreprises et les écosystèmes d'innovation intègrent la participation citoyenne dans le processus de développement d'innovation. Dans la SQRI, comme je vous ai dit, les ingrédients sont là, mais la recette n'est pas claire et puis il manque peut-être un peu certains ingrédients. On repousse toute l'innovation sociale et la participation citoyenne auprès de ce qu'ils appellent les organismes ou les intermédiaires d'innovation qui vont devoir créer ces incitatifs-là auprès de leurs entreprises membres. Mais on sait tous que les intermédiaires d'innovation ont leurs propres indicateurs de performance, ce qu'on appelle en anglais les Key Performance Indicators ou KPI en anglais, et que si ces indicateurs de performance-là n'incluent pas une part de mesure des objectifs ou de l'atteinte des objectifs en matière de participation citoyenne, il n'y a aucune obligation dans la stratégie qui pousse les membres des écosystèmes d'innovation à intégrer la participation citoyenne, autre que pour l'acceptabilité sociale des technologies. Donc, je vous laisse sur quelques questions pour l'auditoire. Je pense que ces questions-là vont vous être posées à même le système de Zoom. Je ne suis pas experte, donc je laisse les experts s'en charger. Mais le but de ma présentation, c'était vraiment de susciter la discussion. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir aller moi-même répondre à ces questions-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir l'occasion de vous parler.
OK, merci, merci Catherine. C'est vraiment très intéressant. Donc, pour maintenant, il y a quelques questions que Catherine voudrait partager avec les assistants et aussi le public en général, les panélistes et les autres assistants. Donc, nous allons utiliser le système de pool ici comme un système d'enquête qui est intégré dans le Zoom. Donc, nous allons poser les questions sur l'écran. Vous allez voter, oui. Il y a une série de questions que c'est oui ou non. Vous pouvez voter, nous allons voir les résultats. Et la dernière question, c'est une question ouverte. Donc, pour la dernière question, moi, je demanderai de mettre votre commentaire sur le chat parce que c'est vraiment ouvert, donc c'est des commentaires. Donc, merci beaucoup. Et Catherine, on va passer aux questions que tu avais préparées pour le public. Donc, on va commencer avec la première question. Et les questions sont il y a la traduction français, espagnol, portugais maintenant. Anna, si tu peux nous expliquer comment... Parce que moi, je vois les questions ici, mais je ne vois pas le... Ah, OK, OK. C'est parce que moi je ne le vois pas. Parfait. Donc, au fur et à mesure que les gens votent, donc il y a plusieurs questions. La première, c'est de savoir s'il y a des politiques publiques qui vous aident à faire de la participation citoyenne. Donc, on a déjà 43% des participants qui disent oui, ils sont aidés avec ça, et 57% qui disent non. Il y a une deuxième question qui est reliée à l'intérieur. Donc, s'il n'y a pas de politique publique, est-ce que vous faites la participation citoyenne? Et donc, maintenant, ici, on voit vraiment une majorité, 60% qui en font la participation citoyenne. Et une troisième question qui est rapportée à cette première, donc, est-ce que c'est là, cette participation citoyenne, cette intervention que vous faites en participation citoyenne vient de votre propre ressort? Donc, presque 60% qui c'est vraiment comme l'intérêt individuel, c'est l'intervention individuelle. Donc, les trois premières questions sont dans la même lignée. La quatrième question, c'est si vous avez participé à de telles initiatives de participation citoyenne dans les processus d'innovation. Il y a 64%. OK, donc je crois que la plupart des gens qui ont répondu, donc on va laisser l'espace pour la dernière question. Anna, s'il vous plaît, comme je vous dis, ça, la dernière, c'est une question ouverte, donc c'est vraiment si vous mettez vos commentaires sur le chat. Donc, on va publier la question. Et Catherine, si tu veux, qu'on fera un petit commentaire sur ce que tu vois de réponses, sur la distribution des réponses, pour fermer ta présentation. Donc, Fernando, la dernière question est sur le chat. Ah, OK, parfait. La dernière question. OK, parfait, merci Anna. Donc, la dernière question, c'est à quelle étape du processus? Donc, souvenez-vous, la dernière question, c'est si vous aviez participé dans des initiatives de participation citoyenne dans les processus d'innovation. Si oui, donc, à quelle étape du processus? Et là, vous pouvez laisser le commentaire sur le chat et on vous laisse, et Catherine, pour que vous puissiez fermer votre présentation. Ah, je ne l'avais pas fermé encore. Non, c'est-à-dire pour faire les wrap-up de votre présentation, en profitant les résultats de l'enquête.
Ben, ce qu'on a ici, c'est dans le design de la recherche. Donc, on est vraiment au départ dans les activités d'innovation, mais moi, je ne vois qu'un seul commentaire. Et puis, dans les questions, oui, je ne vois rien du tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires. OK. Et Catherine, sur les réponses, c'est-à-dire sur la distribution des premières réponses, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous étonne ou ça va dans ce que vous prévoyez? Ben, ça tourne autour de 40-60 à peu près pour cent. Donc, évidemment, ne sachant pas d'où viennent les participants, c'est peut-être plus difficile. Donc, si on a une majorité de participants qui sont au niveau de la science, donc dans les universités ou des partenaires universitaires ou de collèges, on nous encourage fortement à considérer la participation citoyenne. Mais s'il y a des participants qui sont en entreprise ou plus près des intermédiaires d'innovation, je ne suis pas surprise qu'on ait une grosse part de gens qui disent non. Donc, il aurait fallu qu'on puisse séparer les participants en différentes catégories. Mais j'essaie de voir ici. Oui, ben c'est ça. C'est les actions sur le terrain qui vont avoir davantage d'impact. Mais ce que je crains, c'est qu'on ne sonde pas nécessairement les citoyens pour tout dans le processus d'innovation. Et puis, quand on veut développer une innovation qui soit durable, responsable, inclusive, ben, il faut s'assurer d'avoir une participation citoyenne assez large, et on laisse les intermédiaires ou les gens qui sont sur le terrain faire du mieux qu'ils peuvent. Donc, moi, je pense que je salue des initiatives comme celle que vous êtes en train d'organiser pour justement discuter et partager d'un écosystème à l'autre les meilleures pratiques. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de le reste de la présentation qui va toucher à ce sujet-là. Mais ça ne me surprend pas que ça ne se retrouve pas ou que peu de personnes aient participé à ce genre de questionnement-là. Surtout après 2 ans de COVID où on a été confinés dans nos maisons. Peut-être qu'on va avoir davantage d'intérêt à aller faire valoir nos points. Je pense que la pandémie nous a fait réaliser beaucoup de choses sur notre façon de vivre et la façon dont les technologies et les innovations sont développées. Donc, je ne vois pas d'autres questions, puis je ne voulais pas prendre trop de temps non plus de mon collègue qui doit présenter aussi, là. Mais continuez d'en mettre des commentaires à mesure que ça vous vient. Ça va être intéressant d'analyser les résultats. OK, Catherine, merci beaucoup. André, je te laisse continuer. Gostaria de parabenizar, então, a Catherine pela apresentação, pelas respostas da audiência, das perguntas da audiência, e fazer um comentário aqui também que, dentro da apresentação dela, que me chamou muita atenção, foi a questão da inovação social, né? Aqui no governo do Paraná, nós temos uma preocupação grande em relação à aplicabilidade da inovação social, né? Que é aquela que chega na ponta para o cidadão. Então, eu posso citar, inclusive, um exemplo de um projeto da Secretaria de Família, Justiça e Trabalho, que é diretamente ligada a questões relacionadas à vulnerabilidade social, e que foi o desenvolvimento do aplicativo Paraná Solidário. O Paraná Solidário, ele é um formato de marketplace que conecta doadores com instituições beneficentes. Isso fez uma grande diferença aqui no Paraná, porque conectou aquelas pessoas que desejavam realizar algum tipo de doação, seja de alimentos, agasalhos, eletroeletrônicos,
pudessem se conectar diretamente com instituições beneficentes que atendem a área da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa em situação de rua. Então, esse é apenas um exemplo de várias inovações que a gente vem tentando promover nessa gestão do governador Ratinho Júnior, que tem esse foco realmente na inovação e trazer a inovação que realmente consiga ter esse impacto para a sociedade. Então, parabenizar novamente aqui a Caterine pela apresentação e acredito que nós, diante da nossa dinâmica aqui, podemos, eu não sei se há mais alguma pergunta ainda da audiência, mas acredito que a gente possa manter a nossa dinâmica com a apresentação do Dr. Michel Jorge Samar. E, então, peço a gentileza que o Dr. Michel faça, então, a sua apresentação para que a gente possa dar continuidade ao nosso painel. Obrigado, André. Eu agradeço a oportunidade de participar desse colóquio e, ao mesmo tempo que trago aqui uma experiência de quem está na gestão estadual da política de ciência e tecnologia, me coloco também numa perspectiva de entender que ainda não estamos, do ponto de vista institucional, com uma capacidade de incorporação nesse nível, né, de demanda que a professora Caterine colocou, a ponto de a gente conseguir incluir o cidadão nas estratégias de ciência e tecnologia do Estado. Mas eu vou dividir com vocês um pouco dessa experiência, né, que estamos tendo aí nos últimos anos na gestão de ciência e tecnologia, e eu vou só pedir licença para compartilhar com vocês aqui a tela. Todos conseguem acompanhar? Então, na realidade, a Superintendência de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, ela é responsável pela elaboração e gestão das políticas de ciência e tecnologia no Estado, né? Vocês já devem saber, pela proximidade, que o Estado do Paraná ele tem algo em torno de 11, 12 milhões de habitantes, né? Temos 399 municípios, que é um grande desafio do ponto de vista da gestão das políticas públicas, porque temos apenas desses 399, 21 municípios que estão acima de 100 mil habitantes. E quando a gente faz referência a esse índice populacional, a gente faz uma referência também à capacidade técnica e de gestão dos municípios, no sentido de produzir políticas capazes de incluir o cidadão nas decisões relativas às suas ações. Primeiro, eu queria falar um pouco dos pressupostos que orientam a elaboração das políticas de ciência e tecnologia no Estado do Paraná. Essa ideia de que o conhecimento e a aplicação da inovação ela requer necessariamente uma integração com a sociedade, né? Que é, de fato, quem compartilha e provoca, né, a criação do conhecimento necessário para a inovação. E a gente entende que existem algumas inadequações nesses modelos tradicionais, lineares, né, da relação ciência e sociedade. Basicamente, porque essas profundas transformações estruturais, né, e em especial do ponto de vista da institucionalidade da ciência e tecnologia, e esse grau de exposição e alcance público, dado que nós temos um debate internacional de posicionamento dos países, do ponto de vista da geopolítica e do comércio, muito focado nas inovações tecnológicas, né? Poderia citar vários conflitos, né, de interesse que estão ligados à produção do conhecimento e da inovação. Outro aspecto é que o conhecimento e as suas aplicações, elas permeiam necessariamente todas as estruturas sociais. A Caterine fez referência às questões de trabalho, das relações de trabalho, de emprego, e eu faço aqui a lembrança de que nós temos redefinições das fronteiras econômicas em função da inovação.
temos mudanças institucionais, e eu vou mostrar para vocês logo à frente, as mudanças que ocorreram na estrutura da formulação e da implementação das políticas públicas na área de ciência e tecnologia aqui no estado do Paraná. Também muda essa dinâmica de gestão da política de poder nas nossas democracias, né? Há uma necessidade premente, como já referenciado, da inclusão do cidadão no centro dos processos de inovação, em especial no que diz respeito às inovações que tocam o dia a dia, as escolhas futuras, a organização da vida nas cidades, né? E eu queria, antes de mostrar um pouco da nossa experiência, lembrar que o Brasil, como possivelmente diversos países da América Latina, passaram por essas fases, que a gente pode dividir aí em três fases de políticas de ciência e tecnologia, né? Uma primeira fase aí na década de 70, que era a substituição das importações, a criação dos centros de tecnologias locais para capacitação nacional. Isso fez com que o Brasil tivesse, em algumas áreas, excelência, né? Na área petrolífera, tivemos na área da aviação civil. E uma segunda fase, que é uma fase de retração do papel do Estado, né? Relegando ao mercado a alocação dos recursos para fins de desenvolvimento de inovações. Essa é uma fase que podemos localizar ali no início da década de 90, com as grandes privatizações e também com o encargo da iniciativa privada com uma formação profissional no país, né? E agora a gente vive uma fase de revalorização do papel do Estado, né? Na criação de uma nova institucionalidade para fazer com que exista uma aproximação entre empresas, e academia, universidades, entre o público e o privado, né? E o fomento à cooperação na inovação. Eu falo isso porque bastante do que nós elaboramos em termos de políticas está referenciado nessa fase que vivemos. Somos sabedores também de que a pandemia ela cria novos questionamentos a respeito das grandes cadeias globais de fornecimento, né, das estratégias dos países em relação à ausência de uma cadeia na área de saúde. Nós estamos sofrendo, o Brasil sofre até hoje os problemas dos fornecimentos na área de eletroeletrônicos, né, na área de insumos de saúde. Mas, de qualquer forma, eu caracterizo essas fases para dizer que, do ponto de vista da gestão, nós incorporamos esses valores do modelo de gestão mais aberto, né, que prevê a participação cidadã, pelo menos nessas três dimensões, né, consultiva, deliberativa e colaborativa. A gente tem essa preocupação, né? Essas outras dimensões que eu apresento são familiares, né, para todos vocês, a utilização das inovações nas tecnologias de informação para aproximar o cidadão das políticas públicas, né, fazer com que esse fluxo se retroalimente com maior intensidade. Eu faço aqui uma referência a essa experiência de governança em ciência e tecnologia nesse conceito aberto, né, que é um pouco dos conceitos que nós emprestamos lá da inovação aberta também, mostrando que a gente convive com esses padrões de uma política relacionada mais à tecnocracia, né, de especialistas definindo grandes linhas de pesquisa, de fomento, mas estamos caminhando e migrando para uma situação onde a gente possa incluir mais os atores sociais, o cidadão, nessa experiência de gestão de políticas mais abertas. Eu vou mostrar para vocês logo adiante uma experiência que a gente tem desenvolvido, que eu avalio particularmente como uma ação portadora de futuro no que diz respeito a essa aproximação do cidadão com os formuladores de políticas. Aqui eu faço uma referência muito rápida ao que estava no nosso plano de governo, ao que o Estado do Paraná definiu
como os eixos, né, de intervenção na política de ciência e tecnologia. Antes de passar por isso, eu queria dizer que muito do que se faz e que está colocado aqui no plano de governo tem a ver com uma mudança com essas mudanças de paradigma em relação à institucionalidade brasileira, né? Muitas vezes a gente olha para a institucionalidade brasileira e acaba não tendo uma compreensão mais profunda do que significa a gente ter uma estrutura de economia política com empresas pouco inovadoras, com baixo capital disponível para inovação, com baixo investimento privado, né, nessa área de inovação. Então, nós temos uma particularidade que difere bastante dos países como os Estados Unidos, como os países europeus, que se organizam de forma diferente institucionalmente para liderar processos inovativos nas cadeias globais, né? Então, a gente ainda está tateando, né, tentando entender a dinâmica empresarial brasileira para fins de potencializar as inovações e potencializar os resultados das políticas que elaboramos, né? Dessas ações que eu apresento para vocês aqui, todas elas estão, de certa forma, contaminadas por essa necessidade de democratizar o processo de escolhas. Nós temos 7 universidades públicas estaduais no Paraná. São instituições já com 50 anos, né, de existência e que concentram grande parte dos ativos científicos do Estado. Então, havia uma necessidade de nós colocarmos essa competência a favor dos territórios, do desenvolvimento territorial e local. Quando a gente fala que grande parte dos municípios do estado do Paraná tem baixa capacidade gerencial e baixa capacidade também financeira de promover inovações, a gente visualiza nas universidades, pela sua capilaridade no estado, são uma comunidade acadêmica de quase 100 mil pessoas nessas 7 universidades, visualiza nelas o potencial de apoio, de criar mecanismos de participação e fazer com que as pesquisas se orientem para aquilo que é a demanda do cidadão, né? Só que, para isso, nós tivemos um trabalho relativamente árduo de fazer uma mudança no marco legal e institucional da ciência e tecnologia. Nós tivemos, nesse espaço aí, no período da pandemia, nesses 2 anos, nós conseguimos construir 4 diplomas legais que são fundamentais para destravar a burocracia estatal brasileira no que diz respeito à aproximação da sociedade e à construção das prioridades coletivas em relação aos ativos que o Estado construiu nessa área de ciência e tecnologia. Aqui eu apresento para vocês uma composição das áreas prioritárias da ciência e tecnologia no estado do Paraná, e eu apresento aqui não para comunicá-los sobre o que são os interesses de financiamento do estado, mas para dizer que ela é fruto de um conselho de ciência e tecnologia do estado que inclui, né, pessoal da academia, que inclui gestores públicos, mas inclui também trabalhadores, né, que é o Conselho de Ciência e Tecnologia, que define a política pública para o estado do Paraná, ou pelo menos orienta as suas grandes linhas, né? E a inclusão aqui do eixo sociedade e economia vem nesse sentido também de se preocupar com a inovação social, se preocupar com as demandas da sociedade para esses eixos de políticas públicas. Nós fizemos, como eu havia falado, uma grande transformação na estrutura institucional. Muitas vezes há uma falta de compreensão de por que os processos inovativos em países em desenvolvimento não decolam na mesma velocidade e nem na mesma perspectiva que os países centrais, né? E nós fizemos uma mudança profunda aqui no Paraná. São leis que
mudaram a lógica de financiamento, estão mudando a lógica também de gestão das políticas. A nossa lei de inovação, ela foi premiada como uma boa prática, né, porque fizemos com consulta pública, tivemos mais de uma centena de sugestões da população, deixamos em consulta pública por quase 2 meses, e esse conjunto de normas, elas foram pensadas para destravar a rigidez que existia em relação à gestão da política naquele modelo mais tecnocrático, né, de uma relação direta entre especialistas e formuladores de política, né? Então, nesse sentido, a gente conseguiu um avanço e estamos começando a implementar nesse momento. Aqui eu não vou detalhar, mas muitos dos instrumentos que até então eram comuns e os países mais desenvolvidos utilizavam, nós não tínhamos ainda na nossa legislação de forma detalhada, e agora a gente possui, né? E eu vou falar um pouco dessa política específica, que é a Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação, que é um pouco da aposta que nós fazemos aqui na nossa superintendência, de condensar, de fazer com que, ao mesmo tempo, a gente faça uma escuta ativa das regiões, dos atores locais, né, fazendo com que essa demanda organizada regionalmente venha para dentro da academia e as articulações ocorram para fins de desenvolver os ecossistemas regionais. Então, nós concebemos este programa para estimular essa integração, né, entre governos, as empresas e a sociedade, no sentido de permitir institucionalmente, né, e legalmente, que as estruturas públicas, em especial os institutos de ciência e tecnologia do Estado e as universidades, possam dar vazão para as demandas regionais e possam tratar as demandas regionais pela importância que têm. Então, nós temos iniciativas regionais. Primeiro, falar um pouco da governança. A governança desse projeto tem uma governança estadual, plural, com representação da sociedade civil, com representação empresarial, e temos governanças regionais. Nós temos 7 agências espalhadas pelo Estado e nenhum financiamento será feito por demanda da academia ou dos institutos. Os financiamentos serão feitos na medida em que eles partam da sociedade, sejam validados na gestão territorial com todos os atores e sejam introjetadas na academia para a busca das soluções. Complementarmente a essa ação, nós fizemos uma flexibilização, criamos um normativo para relacionar as organizações sociais, para poder gerir recursos, para poder flexibilizar os processos de transferência de tecnologia das universidades, que nós denominamos aqui de lei das fundações de apoio. Nos preocupamos tanto com o cidadão mais vulnerável, aqueles que se organizam em cooperativas, que se organizam em associações de produção, como também nos preocupamos com os municípios com baixa capacidade de atender as demandas dos seus cidadãos. Então, ao mesmo tempo, a academia vai ser colocada em linha, né, com essas demandas, mas também com as estruturas públicas locais para pensar o desenvolvimento social, artístico, cultural, científico, né? E fortalecer essas capacidades governativas regionais. Porque, apesar do Paraná ser um estado dinâmico do ponto de vista econômico e ser, dentro da perspectiva nacional, um estado com um bom IDH e um bom PIB per capita, ainda assim, nós convivemos com padrões regionais muito, muito desiguais. Então, esse projeto é um projeto piloto que a gente imagina que vai ter nele uma referência para futuras elaborações de políticas na área de ciência e tecnologia.
Aqui algumas diretrizes gerais do programa, né? Vocês vão perceber que nós alinhamos essas diretrizes com aquela concepção inicial, né, de aproximação das empresas, da academia, do fomento à inovação social, economia solidária. Estamos preocupados, e o nome da agência já revela isso, né, com a questão da transição ecológica também. Então, nós vamos privilegiar o modelo que propõe vir da base para a estrutura de produção de conhecimento, fazer com que essas demandas saiam da base e venham para a estrutura da produção de conhecimento, para que a gente possa ter respostas mais adaptadas socialmente, né, inovações que mudem efetivamente a vida das pessoas, gerando maior qualidade de vida e também renda, né? Aqui alguns eixos de atuação, né? A Universidade Empreendedora, numa perspectiva também de envolver alunos com a realidade local, né? Fazer com que se fortaleçam essas parcerias entre universidade e empresa. Tivemos aí a preocupação de colocar essa inovação no centro da atenção também de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Quando nós falamos aqui em microempreendedores individuais, nós estamos falando do indivíduo fora do mercado formal de trabalho, aqueles empreendedores de pequenas atividades comerciais, de complementos, né, de atividades comerciais, cooperativas, associações e empreendimentos solidários, né, e colocar efetivamente a universidade nesse eixo de suporte ao desenvolvimento regional sustentável. Então, essa é a base da governança, né, desse programa. E é óbvio que eu estou colocando aqui apenas um dos programas que são gerenciados aqui pela nossa superintendência, mas esse eu acho que condensa um pouco conceitualmente o que nós desejamos, ainda que se assuma um grande déficit dos mecanismos de aproximação do cidadão com essas políticas, né? É um processo que está em evolução. Nós fizemos uma recente mudança institucional que permite essa aproximação. Talvez, para os membros desse colóquio que vivam em países desenvolvidos, isso seja ainda algo que pareça embrionário, mas, do ponto de vista institucional, para nós é uma grande inovação. E é por isso que eu estou dividindo com vocês essa experiência. Aqui são vários outros programas, que é um trabalho que a gente faz em rede. Aqui está o Márcio Espinosa, da Fundação Araucária, que ajuda a pensar essas ações, ajuda a operacionalizar. Mas aqui a minha preocupação era, nesse momento, dividir com vocês um pouco do que estamos fazendo do ponto de vista conceitual. Aqui são vários outros programas que nós temos, a Iniciativa dos Parques Tecnológicos, são 18 parques tecnológicos, com diferentes experiências de incorporação do cidadão do seu entorno, do seu território, né, mas existentes, né, ainda que tímidas, mas existentes. Um outro programa que eu, antes de encerrar, gostaria de dividir com vocês também é o que nós chamamos de programa de residência técnica, né? Nós temos um programa de residência técnica em inovação e transformação digital e também uma residência em gestão de ambientes promotores de inovação. O que nós fazemos? Nós capacitamos recém-formados de diversas áreas na gestão da inovação, trazemos para dentro das estruturas de governo essas pessoas pagando uma bolsa para essa capacitação. Elas contribuem nos processos internos, com ideias, com seus projetos finais de curso de especialização, tentando solucionar problemas do governo. Mas, ao mesmo tempo, nós formamos gestores da área de inovação. E é nessa formação que a gente embute também conteúdos de inclusão da participação cidadã na gestão desses ambientes de inovação, na gestão da inovação. Essas pessoas não ficam no estado, elas ficam por 2 anos, e aí elas voltam para o mercado com essa formação, com essa experiência e com a capacidade de se espalhar no território e poder também contribuir
de forma a capacitar os municípios, as pequenas empresas, a gerir essa realidade. Então, por fim, né, essa inclusão da cidadania nas definições dos rumos de inovação, para nós é determinante para construir esse espaço de estímulo à criatividade e o conhecimento, né, desses diferentes partícipes, né? E eu coloco aqui empresas, coloco a sociedade civil, a gente tem várias experiências de solução de problemas com o envolvimento direto das comunidades, né? Por meio das técnicas que todos vocês já conhecem, né? E também fala um pouco, para finalizar, do papel da administração pública nesse sentido, né? De criar esse espaço para a participação cidadã, né? Facilitar, permitir iniciativas de interesse social e formar e educar a população para a cidadania. Nem sempre a gente encontra reciprocidade do ponto de vista da participação popular, né? Às vezes nós temos fóruns de participação muito esvaziados, com a participação de baixa qualidade. Então, nós também temos uma preocupação de estimular, de educar, de informar, né, a cidadania nesse sentido. Eu acho que, assim, é uma visão panorâmica do que fazemos, né, de como essa preocupação da inclusão, da participação cidadã está imbricado com nossas políticas, lembrando sempre que esse é um processo de construção que nós estamos iniciando e nós temos um longo caminho pela frente para consolidar esses mecanismos de participação. Agradeço mais uma vez e fico à disposição. Parabenizar o Michel pela sua apresentação, né? O Michel, que é diretor da nossa Superintendência Geral de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior aqui do Estado do Paraná. E Michel, me chamou algumas questões da tua apresentação, me chamaram a atenção, né? Primeiro, a questão que você colocou da importância da quadra hélix, né? Então, essa conexão entre governo, iniciativa privada, sociedade e academia, né? Então, quando nós temos essa visão da importância da quádrupla e até da quíntupla hélice, né, realmente fica mais fácil de termos uma melhor escuta, né, e o processo de cidadania e inovação estarem mais próximos, né? Aqui no governo do Paraná, a Superintendência Geral de Inovação, ela tem percebido, agora mesmo eu estou aqui na Copel, acabei de participar aqui do lançamento do programa, a Copel, que é a nossa Companhia Paranaense de Tecnologia, né? Acabei de participar aqui do lançamento do programa Copel Volt. O programa Copel Volt é um programa que também busca, dentro desses processos de inovação, em especial a inovação aberta, ter uma participação da iniciativa privada, né, no desenvolvimento de soluções de governo, né? A gente sabe da velocidade e eficiência de soluções que vêm sendo desenvolvidas pelo mercado, em especial a questão das próprias startups, e a aproximação, quando a abertura, né, seja para na academia, como foi citado, muito bem citado pelo Michel, o projeto da AGUNI, mas também com o mercado, né, a gente vê que os processos de inovação, eles funcionam de uma maneira mais eficaz, né? A gente vê também a aplicabilidade dos processos relacionados ao design, então metodologias como o Design Sprint, criado lá pela Google, vem sendo, né, incorporados numa cultura de inovação dentro de todo o Estado, né? Sejam de todas as secretarias, superintendências, órgãos de governo e empresas públicas, também facilita com que a gente tenha esse processo de escuta, porque a gente sabe muito bem que a inovação, ela ela começa por um processo de validação da dor, do problema, né? Então, quando a gente tem esse processo de escuta transparente e, ao mesmo tempo, promovido, né, buscado pelo governo, a gente consegue realmente dar vazão
a processos que nos tragam maior eficiência dentro do governo, maior possibilidade de aproximação entre todas essas hélices, né? Então, Michel, novamente, parabéns aí pela tua apresentação. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem vários parabéns aqui, Michel. Eu não sei, eu vou passar aqui a palavra para o Fernando para ver se tem alguma pergunta lá pelo YouTube. Andrés, muito obrigado, Michel, pela sua apresentação, muito obrigado também para a Caterina. Estamos um pouco apertados do tempo, então vamos continuar com o painel 2, mas se a gente tem alguma pergunta, pode fazer no chat. Então, vamos começar com o painel 2, vou apresentar a Luiz Márcio, que vai ser o nosso moderador. Luiz, então, como está um pouco fechado o tempo, Luiz, vou deixar para você, que comece a apresentação. Adelante. Luiz é um dos parceiros também deste projeto. Fernando, obrigado. Acho que o mais importante é a gente honrar, né, o tempo desses nossos convidados. Então, vou ser bem sucinto. Eu sou pesquisador, professor de uma universidade aqui no Brasil e tenho algumas ligações fora, e voltado a essa questão de ecossistemas de inovação. Meu papel aqui é conduzir, então, uma conversa um pouco mais aplicada, pragmática, do que a gente poderia considerar como essa relação entre política pública e ações, né, experiências que tragam o cidadão na tomada de decisão e na realização, na gestão dessas ações. Eu acho muito interessante, foi muito bem pensado, Fernando, parabéns. A ideia de primeiro ter uma visão geral de políticas públicas e, naturalmente, o desdobramento às experiências. E a gente já vê, a Caterine já trouxe, né, eu acredito que não é diferente no Brasil, uma certa dissintonia, né, entre o que a política às vezes propõe, em diferentes níveis de maturidade, talvez, né, enquanto participação do cidadão, e a efetiva prática, né, a experiência dessa política. Então, esse segundo painel se dedica um pouco mais a esse entendimento, ao hands-on, né, ao fazer essa participação cidadã nas ações ligadas à inovação. Então, para isso, nós convidamos aqui alguns colegas, o professor Labiak, né, ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui um doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento e um pós-doutorado em tecnologias avançadas, é mestre em desenvolvimento e tecnologia, graduado em química ambiental. Ele tem uma atuação muito importante da academia com o governo, com as ações, então atuou como pró-reitor de extensão, pesquisa e inovação, atuou também como pró-reitor adjunto de relações empresariais e comunitárias, isso dá justamente essa visão única ao professor Labiak. Participou de várias ações nacionais, como a Associação Nacional que promove o empreendedorismo no Brasil, também de parques tecnológicos, e hoje participa do programa de pós-graduação da Tecnológica Federal do Paraná, olhando especificamente os fenômenos tecnologia e sociedade. O Mathieu Couture, se vocês me permitem, eu vou falar em francês, porque eu acho que a gente ganha um pouquinho de tempo. Ele é coordonateur de projet de la Fondation David Suzuki. Mathieu est une personne passionnée par les relations humaines et le développement des projets communautaires. Au tout début de la pandémie, il a coordonné ou cofondé l'organisme Cycliste Solidaire avec un groupe de personnes dévouées afin de fournir des denrées alimentaires à des Montréalais en situation de vulnérabilité tout en respectant les mesures sanitaires. C'est en avril 2021 qu'il a joint l'équipe de la Fondation David Suzuki pour travailler sur les mandats liés à l'accompagnement des groupes citoyens à vocation environnementale. Autrement dit, protection des milieux naturels, agriculture urbaine, réduction des déchets. Depuis, il s'implique dans le développement d'un projet de partage des remorques à vélo, des vélos cargo et des voitures dans un arrondissement de Montréal. Bon, je crois que Mathieu, c'est vraiment un vélo praticeur. Zandra, en portugais. Zandra, elle est graduée en administration.
Sandra, ela entende bem esses dois contextos. Ela é uma brasileira exportada para o Canadá, uma canadense que a gente quer trazer de volta para o Brasil. Então, tomem cuidado. Sandra é uma brasileira então, que atua aí fortemente nessas questões. Ela é graduada aqui no Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um mestrado em administração na área de gestão de ciência e tecnologia pela Federal do Rio Grande do Sul também, um doutorado em gestão internacional pela École des Hautes Études Commerciales, agora essa já no Canadá, né? A experiência dela é com ênfase em negócios internacionais e estratégias de aliança, grande experiência internacional, ela realmente contribui bastante para esse empreendimento internacional, atua como consultora no projeto bilateral Brasil-Canadá para a construção de casas populares, foi diretora de negócios internacionais para a América Latina numa empresa canadense, atuou junto ao SEBRAE, SEBRAE é uma instituição do terceiro setor, né, que muito atuante no país e que trabalha muito bem essas questões de inovação e cidadania, digamos. Também na Itaipu, que é a multinacional, a binacional de produção de energia, né? E hoje ela atua na internacionalização e inovação frugal na Université du Québec à Montréal. É integrante também do Laboratório de Pesquisa Transdisciplinar sobre Ecossistemas Computacionais. Por fim, o Maxime Thibault Vézinat, ele é conseiller em Innovation et Processus Collectifs au Laboratoire d'Innovation Urbaine de Montréal. Maxime est conseiller en engagement citoyen, en processus collectif, donc a beaucoup apporté sur le tour du monde l'innovation et la participation citoyenne. Sa participation au Laboratoire d'Innovation Urbaine de la Ville de Montréal travaille surtout au déploiement du programme Montréal en commun et il s'est spécialisé sur les processus d'innovation sociale en gouvernance municipale, de manière à tester et institutionnaliser des approches de dessin urbain plus démocratique et inclusive. Donc, tout, c'est vraiment le sujet qu'on on doit écouter. Eu gostaria, então, de agradecer, né, principalmente, a participação de vocês todos e iniciar com algumas questões, alguns questionamentos, que eu vou tentar colocar, por vezes, do lado brasileiro e, por vezes, do lado francês. Então, acho que a primeira grande questão, né, é se existem políticas que encorajam a participação dos cidadãos no processo de inovação. Como é que vocês veem isso? Se existem políticas, de fato, tanto no Brasil, ou mais especificamente no Paraná e no Canadá, que ajudam, fomentam essa participação cidadã. Eu vou convidar inicialmente o professor Labiak, se o senhor puder ter algumas reflexões sobre isso. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite, professor Márcio Espinosa. A primeira pergunta para mim, ela, na minha opinião, no Paraná, a gente tem algumas políticas, sim, que incentivam e induzem a inovação e a participação cidadã, principalmente voltadas ao fomento à inovação. A gente tem, como o professor Michel também colocou na sua brilhante palestra, algumas ações mais específicas, o braço realmente do Estado empreendedor, né, nessa perspectiva. Mas eu acredito que dentro dessa pergunta também vale um posicionamento, como você falou, né, hands-on. Eu acredito que a nossa linguagem ainda não está chegando no cidadão. Então, a gente tem um problema de comunicação, muitas vezes, das nossas políticas, e acredito que aí vem aquela nossa discussão, né, Márcio? As questões sociotécnicas. Então, além de serem sociais, a gente tem que usar algumas técnicas e tecnologias para aproximar mais um pouco essas políticas que a gente tem, de alguma forma, desenvolvido ao longo dos anos e que tem gerado algumas participações mais cidadãs. Então, de certa forma, eu acredito que no Paraná a gente tem algumas. No Brasil, de certa forma, a gente tem algumas políticas que incentivam a inovação, mas ainda as que mais têm dado algum tipo de resultado são aquelas que são mais voltadas ao empreendedorismo de impacto, ao empreendedorismo de inovações frugais, de inovações sociais, que têm talvez conseguido quebrar a barreira da comunicação e chegado nas regiões periféricas. Não sei se eu respondi.
Uma boa reflexão. Maxime, você gostaria de contribuir, por favor, com essa reflexão? Eu posso repetir a pergunta? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui encouragent la participation citoyenne dans les processus d'innovation? Vous croyez qu'à Montréal, au Québec? Il y a définitivement des tentatives d'essayer d'engager le citoyen plutôt dans les processus de design, de projet, de design, de politique. Mais c'est pas encore tout à fait la norme. Montréal en commun, dans le cadre du programme sur lequel je travaille actuellement, il y a une volonté de vouloir mettre le citoyen le plus tôt possible dans le processus d'innovation sociale et dans le design de projet, notamment en essayant de l'impliquer au moment de l'émergence même de réflexion autour d'une problématique. Mais pour l'instant, c'est des espaces qu'on essaie d'ouvrir de plus en plus pour l'expérimentation avec le citoyen. Donc, la norme, c'est plutôt de dire, généralement, dans les projets, même si ça tend à changer, c'est plutôt de dire, on fait un projet derrière un bureau et par des experts, puis ensuite, on va aller consulter la population pour savoir si le projet est bon ou non. Mais c'est quelque chose d'assez polarisant, généralement, ça crée des débats assez polarisants. Puis est-ce qu'on peut vraiment parler, dans ce cas-là, d'implication citoyenne? Généralement, l'implication citoyenne, à ce moment-là, elle est limitée. Puis souvent, les projets le font parce qu'ils ont l'obligation de faire une consultation. Donc, ils ne le font pas nécessairement dans un esprit d'ouverture au changement. Et il y a eu la peur de beaucoup de professionnels de perdre le contrôle sur le projet. Donc, pour l'instant, pour un peu changer ces perspectives-là, changer aussi cette culture de travail-là, on utilise plutôt des projets pilotes où est-ce qu'on va engager de manière beaucoup plus directe puis vraiment entrer dans le co-design avec le citoyen. Mais c'est un processus qui, à la Ville de Montréal, demeure en émergence, même si ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis plusieurs de nos partenaires communautaires, nos partenaires universitaires nous aident à développer des nouvelles pratiques qui sont aussi plus inclusives, donc qui vont permettre de pas seulement impliquer dans les projets des citoyens très engagés, mais aussi des populations qui sont plus vulnérables, qui sont issues de l'immigration, qui sont issues de paliers un peu plus difficiles de la société pour vraiment que les projets répondent directement à leurs besoins. Maxime, vous pouvez donner un exemple d'un projet que vous avez qui on a la politique, la participation citoyenne de Montréal? Oui, il y a par exemple un des enjeux, c'est la réglementation urbaine. Lorsqu'on veut faire d'innovation sociale, surtout dans un contexte où on veut faire de la transition socio-écologique, vraiment à développer des quartiers de vie qui sont plus résilients au changement climatique puis plus égalitaires, la réglementation urbaine est généralement pas bien adaptée à ce genre de processus-là où est-ce qu'on va innover puis où est-ce qu'on va impliquer le citoyen dans le design de projet. Donc, un des projets qu'on a mis en place, c'est avec la Maison d'innovation sociale puis d'autres partenaires, c'est un laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire où est-ce que là, on va vraiment réfléchir avec les citoyens sur un projet, un besoin. Par exemple, on a développé dans Montréal en commun des serres avec des partenaires comme le laboratoire d'agriculture urbaine, des serres hivernales qui permettent de produire des aliments pour les populations les plus vulnérables, mais sur l'espace public, donc dans la rue. Mais d'un point de vue réglementation urbaine, c'est un vrai cauchemar. Mais on a quand même essayé d'innover dans l'appropriation citoyenne des espaces publics. Puis, on a impliqué directement les citoyens dans la conception du projet pour voir déjà si le projet avait si le projet était favorable pour les résidents locaux, savoir comment ils voulaient s'impliquer dans le projet également, puis de pouvoir adapter le projet en continu en fonction de leurs besoins puis de leurs idées. Donc, c'est le genre de changement de paradigme qu'on essaie d'implanter dans le Montréal en commun, c'est-à-dire que plutôt qu'on design une réglementation urbaine en mode plus top-down, on va essayer de construire la réglementation urbaine plus en mode bottom-up.
Mais si vous voulez en apprendre plus sur les activités du laboratoire d'expérimentation réglementaire, vous pouvez aller voir directement sur la page web de la Maison d'innovation sociale. Donc, je peux la partager dans le chat. Donc, c'est très intéressant, c'est les processus qu'on est en train de tester pour repenser un peu la gouvernance puis être plus inclusif dans nos pratiques. Merci. Mathieu, en profitant que vous êtes très impliqué dans les actions au terrain, vous avez aussi un exemple dans ce sens-là, la participation citoyenne directement, s'il vous plaît. Oui, je suis vraiment content que Maxime termine sa présentation en parlant de bottom-up versus top-down, parce que quand on parle de consultation publique, quand on parle de participation citoyenne, souvent c'est top-down. On dit, on va faire un projet et après on va demander aux gens de participer, de donner leur avis, leurs commentaires. Alors que moi, je m'implique dans des projets qui sont bottom-up. Nous, ce sont des personnes qui se sont réunies et qui ont dit, on veut répondre à un besoin dans notre communauté. Et ensuite, pourquoi j'ai été invité ici, je pense, entre autres, c'est comment une ville ou une institution peut favoriser l'émergence, le développement de projets portés par des citoyens et des citoyennes. Puis, à ce niveau-là, en effet, il y a deux exemples que j'ai, dans lesquels je m'implique qui sont assez différents parce que, un, on parle de répondre à un besoin durant une crise qui était de faire de la livraison à vélo en sécurité alimentaire. Donc, l'idée, c'était simplement de dire il y a des personnes qui, en ce moment, ont besoin de nourriture et d'autres personnes sont disponibles pour faire de la livraison à vélo, surtout parce que c'était au début de la pandémie. Plein de personnes avaient perdu leur emploi. Donc, ça a été très facile de mobiliser toutes ces personnes pour faire de la livraison. Et dans l'autre cas, c'est complètement différent parce qu'on parle de personnes qui s'inspirent d'un projet qui existe déjà, qui s'appelle Locomotion, que je peux vous partager. Évidemment, le site est en français, mais ça peut être intéressant pour vous donner un peu une idée de projets portés par des citoyens, des citoyennes, et aussi par une organisation. Je pense entre autres au partage de remorques à vélo, des vélos cargo. J'espère que pour la traduction, ce ne serait pas trop compliqué. Mais pour les voitures aussi, l'idée, c'est de dire qu'on est capable de mettre des véhicules en commun dans un quartier, dans une communauté. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en ce moment, seulement en termes d'assurance, comment on fait pour avoir des véhicules, hein, des objets matériels qui sont partagés dans une communauté et qui n'appartiennent pas à un individu ou parfois même à un organisme, mais qui ne veut pas nécessairement toujours être propriétaire de ce matériel. Donc, je vais juste donner ces deux exemples où on parle vraiment des initiatives bottom-up, donc qui répondent à des besoins, et la complexité parfois de réussir à mettre en place quelque chose qui est inexistant, qui innove aussi dans sa manière d'être, parce que c'est facile de partager. Moi, je peux partager mon vélo à mes amis, mais si on veut faire en sorte que ce vélo soit partagé à des voisins et des voisines, comment on s'assure qu'il y ait l'accès à ce vélo, qu'il y ait des assurances pour le vélo, qu'il y ait même la technologie qui permette d'avoir les cadenas ou d'assurer que le vélo ne soit pas volé. Ce sont juste certains exemples. On pourra aller plus en détail, si vous voulez, sur les politiques publiques et tout, mais ça, c'est deux exemples quand même où c'est vraiment des citoyens et des citoyennes qui prennent en charge des projets et ce n'est pas toujours facile d'avoir l'accès au financement et à la réglementation, comme Maxime le soulignait, pour développer les projets. Merci, Mathieu. Très, très précise. Merci. Zandra, vous qui connaissez bien les deux contextes, dans le contexte canadien, Montréal, le contexte Brésil au Paraná, vous croyez qu'il y a des choses à partager, des choses qui sont communes aux deux contextes, des choses qui sont assez différentes. Donc, vous pouvez faire une analyse, une comparaison entre les deux.
entre les deux situations, les deux régions, mais surtout en regardant la participation citoyenne dans la politique, où la politique prend en prise la participation citoyenne. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bon dia aos meus amigos, colegas brasileiros. C'est un sujet passionnant et déjà juste d'entendre Maxime et Mathieu parler, j'étais déjà « wow », c'est vraiment ça, la participation, quand on arrive à voir que chaque côté de la médaille a un point de vue complètement différent et que ça pourrait être très complémentaire en fin de compte. Mais la première chose que vraiment je vois de différent entre ces deux politiques, et je pense que les discours du Québec ont bien montré ça, c'est qu'ici au Québec, nous avons vraiment une population très engagée. Alors, c'est pour ça que c'est facile de faire le bottom-up et que ça devient peut-être que la ville doit pédaler plus fort pour pouvoir faire le top-down, parce que les citoyens, ils sont déjà très engagés dans les processus. C'est une population qui, quand elle sent le besoin, elle va prendre l'énergie dans ses mains pour pouvoir créer de l'innovation et pouvoir aller de l'avant avec ça. Évidemment, ça, c'est grâce à un pays où il y a beaucoup de liberté que les personnes puissent faire ce type d'action. Je dirais que les politiques sont beaucoup plus dans un micro-niveau. Alors, c'est les niveaux vraiment des mairies locales. Comme moi, j'habite dans un quartier où la mairie est très active. Alors, les citoyens aussi sont très engagés et il y a beaucoup d'idées qui se passent dans le développement d'innovation. De l'autre côté, j'entendais aussi ce que mes professeurs Labiac disaient, et je trouvais très intéressant toute l'approche aussi. Samara, il a parlé beaucoup de la question du besoin de former la population pour pouvoir aller de l'avant dans ce type de développement. Mais c'est ça le problème au Brésil, c'est qu'au Brésil, la politique, il faut absolument qu'elle soit pour l'instant top-down, parce que la population n'est pas encore dans ce type de développement ou dans ce type de mindset de pouvoir penser et dire « non, nous avons besoin de faire ceci, nous ne pouvons pas attendre le gouvernement pour pouvoir aller de l'avant avec le développement ». Et là, c'est au gouvernement de venir avec une solution plutôt top-down. Par contre, c'est ça qui est très intéressant et que je trouve qu'on peut beaucoup ici au Québec apprendre de l'expérience au Paraná. C'est qu'au Paraná, il y a beaucoup de projets développés top-down, mais probablement pour le besoin aussi de faire quelque chose plus de l'avant. Il y a beaucoup de projets très intéressants de participation citoyenne. Et je pense que les mots co-création, c'est au Paraná où ça apparaît clairement. Tous les projets que nous avons ici, Catherine a très bien montré les politiques québécoises. Nous avons le mot participation, mais nous n'avons jamais eu le mot co-création. Alors, on continue dans l'approche vraiment où c'est un côté, où c'est l'autre. Mm-hmm. Alors, c'est jamais les deux ensemble. Et quand on a vu la présentation de Samara, il nous a montré le mot co-création. Alors, on voit déjà que l'idée est tous les côtés ensemble. Et c'est là où on va vraiment trouver ce type de participation plus forte. Alors, clairement, on peut apprendre des deux côtés, autant l'engagement québécois qui est les politiques plus poussées du Paraná. Merci beaucoup, Zona. C'est très clair, très, très bien analysé. Labiac, aproveitando un pouquinho o que a Zandra falou do engagement, né, da apreensão, né, da participação cidadã na política, você que trabalha muito, né, com as comunidades, né, faz um trabalho muito interessante aqui para nós no litoral do estado, que é uma área, uma região, digamos assim, que tem um potencial de crescimento, mas ainda está no estágio muito inicial desse crescimento. Como é que você vê essa participação cidadã
né, na inovação. Nós não somos engajados mesmo, e o que poderia ser feito, talvez, para melhorar esse engajamento dessas comunidades? Obrigado pela pergunta, Márcio. De fato, eu acredito que a Zandra colocou muito bem, as nossas políticas normalmente elas são top-down. Você tem trabalhado muito na questão middle-top-down, né? Middle-bottom-up, né? Que é a perspectiva middle-bottom-up. Mas efetivamente a gente tem uma questão muito, muito séria no engajamento mesmo. Às vezes é cultural. Então a gente observou, por exemplo, no Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, depois de 18, mais de 15 anos trabalhando, as questões da inovação no território, as questões do desenvolvimento empreendedor, a gente observou que o processo educacional ajudou muito mais nesse engajamento. Então, a gente acredita que no litoral, que é um caso novo que a gente está trabalhando, que vai fazer a diferença, a gente acredita que seja o processo educacional. Então, e a participação de diversos atores do segmento de vários estratos sociais. O professor Ramiro normalmente comenta que a gente faz parte de várias câmaras temáticas e tudo mais, mas, de fato, as pessoas que participam normalmente como atores representativos de alguns desses sistemas não fazem parte do estrato social periférico. E isso é difícil depois da gente representar claramente os anseios dessa sociedade, ou desses cidadãos. Então, o que a gente está trabalhando no litoral, especificamente, é tentar encontrar as maneiras mais claras de trazer esse cidadão comum para os processos de inovação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa de identificação de se ele conhecia o que era inovação e como a inovação poderia modificar a sua vida. Isso, para nós, nos traz subsídios de como chegar nele. Quer dizer, eu volto naquela questão da comunicação, de como nos comunicarmos melhor com essas pessoas para que elas participem efetivamente desse processo de construção coletiva de um sistema regional de inovação, de um ecossistema de inovação, e que isso depois nos dê munição suficiente para que a gente ajude a construir políticas públicas de interesse para essa sociedade e que, às vezes, eles tenham uma compreensão um pouco melhor da onde que se consegue chegar com os processos de inovação. No Sudoeste, a gente teve um retorno, depois de 15 anos de trabalho, nós fizemos um levantamento sobre resultados e impactos do Sistema Regional de Inovação. E foi muito interessante, porque aí a sociedade já parecia que compreendia o que vem a ser a inovação para o território e o quão importante ela é na qualidade de vida desses cidadãos. Então, depoimentos do tipo, eu depois que as empresas inovadoras começaram a surgir na nossa região, a gente teve uma melhoria na qualidade dos nossos empregos. O meu filho, hoje, formado numa universidade, consegue ganhar mais e ele não precisa sair daqui do território. Ou seja, aquele sentimento de pertencimento é evocado com esse processo da coparticipação, e acho que a Zandra colocou um termo que é muito importante, da cocriação. Quer dizer, esse processo de cocriar não é simples, mas ele é fundamental para que um projeto desses, do tipo um sistema regional de inovação, um ecossistema de inovação, dê certo. Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder, Márcio. Não, muito bem, muito bem. Conseguiu, sim. Olha, a reflexão, parece quando eu falei da participação citoyenne top-down and bottom-up, da consideração da participação citoyenne na inovação, je crois qu'ici, au moins au Paraná, on essaie de travailler avec une solution qui amenise un peu le problème. On travaille, ce que le professeur Labiac a cité, middle-bottom-up. So, la majorité des actions qu'on est en train de définir à ce moment-là, elle est née d'une institution d'organisation comme l'Araucaria, comme la superintendance des sciences et technologies, avec des propositions qui sont amenées au niveau des citoyens, et les citoyens peuvent demander des modifications, tout le raisonnement possible qu'on puisse amener de la participation citoyenne,
Et après ça, on amène au niveau politique publique, au niveau le plus haut. Donc, c'est une façon qu'on a trouvé de... On peut changer ce raisonnement top-down, qu'on croit que vraiment, ce n'est pas le mieux pour cette prise en compte de la participation citoyenne. La dernière question, parce qu'on a le temps là assez poussé, je crois que Maxime, vous pouvez nous aider à comprendre, c'est pas facile cette question, hein, quels sont les facteurs de succès pour la participation effective des citoyens au processus d'innovation? C'est, en fait, c'est toute la raison, la réponse qu'on aimerait bien entendre. Je pense que le facteur le plus important de réussite pour engager de manière utile des projets, des citoyens dans les projets, c'est d'être proche de... C'est de les impliquer dans des projets qui sont proches de leur réalité puis qui sont proches de ce qui va réellement affecter leur qualité de vie. La notion de bien-être permet souvent d'engager des dialogues entre des citoyens qui vivent des relations très distinctes aussi. C'est-à-dire que tout le monde est touché par comment son milieu de vie à l'échelle de son quartier, l'aménagement du territoire, tout ça. Si on implique les citoyens vraiment dans l'échelle où est-ce qu'ils demeurent, là, on peut engager le citoyen sur toutes sortes de sujets différents en partant de la notion de qu'est-ce qui fait leur bien-être, qu'est-ce qui fait leur mal-être aussi. Je pense que aussi, c'est de toujours être respectueux que le citoyen ne travaille pas pour nous, mais qu'on ouvre un espace réel à la conversation, à la discussion puis à la co-construction. Souvent, le citoyen peut se sentir instrumentalisé dans un processus consultatif. Et au contraire, il faut développer pour avoir des projets qui réellement permettent d'engager les citoyens dans des conversations puis de design de projets. Il faut avoir un certain dialogue d'horizontalité qui n'est pas une position d'expert versus une position de personne qui est là pour juste dire si l'expert a tort ou s'il a raison, mais que le citoyen soit dans une posture d'expert parce que lui-même est l'expert de ce qu'il veut réaliser dans son milieu de vie. Donc, c'est sûr que pour des sujets comme l'aménagement d'un parc où le citoyen va jouer avec ses enfants, c'est facile d'avoir ce genre de discours-là si on n'arrive pas, d'avoir ce genre de co-création-là si on n'arrive pas avec une posture d'expert. Donc ça, c'est la première chose, mais c'est sûr que ça prend une ouverture institutionnelle à ce genre d'approche-là. Souvent, des fonctionnaires ou des politiciens ont peur de perdre le contrôle d'un projet. À ce niveau-là, un des éléments, puis une des clés de la réussite, c'est d'ouvrir un espace où il n'y a pas de contrôle sur le projet. Mais en fait, il y a vraiment une volonté d'adresser un enjeu qui concerne tout le monde ensemble, puis de trouver des solutions ensemble. Puis ça, là-dessus, c'est sûr que d'un point de vue culturel, ce n'est pas toujours gagné d'avance au niveau des fonctionnaires, au niveau des architectes, au niveau des politiciens non plus. Mais de plus en plus, on sent qu'à la Ville de Montréal, il y a cette volonté-là de promouvoir ces pratiques-là. Donc, c'est de le faire aussi à petite échelle pour démontrer qu'il n'y a pas nécessairement raison d'avoir peur des citoyens. Les citoyens, au contraire, si on les engage au niveau de l'émergence d'une solution innovante, c'est là où est-ce que tout le monde en sort gagnant parce qu'on développe réellement des projets qui s'adressent à leurs préoccupations puis à leurs besoins également. Merci, merci beaucoup. Mathieu, vous avez des réflexions à ajouter? Oui, j'ai... Vous travaillez ensemble parce que... Oui, Maxime, c'est bien. On travaille ensemble, mais avec mon rôle dans la Fondation David Suzuki et pas nécessairement comme citoyen engagé. Oui, j'ai des éléments à ajouter. Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de, freins ou d'obstacles quand il y a des groupes citoyens qui veulent développer des projets. Malheureusement, parce que Maxime l'a bien mentionné, parfois il y a aussi une peur de perdre le contrôle des institutions. Donc, je pense notamment à notre projet de partager les vélos, les remorques à vélo. C'est
En ce moment, on essaie de développer le projet dans un arrondissement à Montréal. Puis, pour acheter des vélos, il faut du financement. On est d'accord. Donc, déjà pour le financement, qui doit payer pour ça? Qui veut payer pour ça? Nous, on veut faire un projet communautaire. Eh bien, idéalement, on se dit, vu que ça répond aux besoins des personnes qui habitent dans l'arrondissement pourrait mettre un montant pour financer l'achat des vélos, par exemple. Et en ce moment, on a certains obstacles à ce niveau-là parce qu'il n'existe pas à ce jour un poste budgétaire spécifique pour des projets comme le nôtre. Donc, il y a seulement des petits montants qu'ils peuvent donner parce qu'ils disent « Ah, ben c'est vrai, c'est un beau projet, donc on aimerait ça vous aider, mais on ne peut pas vous aider à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos ambitions. » Donc, ça, c'est une chose. Le financement n'est pas adapté, même si, Zandra, tu mentionnais qu'au Québec versus au Brésil, peut-être qu'il y a une culture différente de la participation citoyenne. Même si ici, on est dans le bottom-up, il y a quand même encore des lacunes au niveau du financement de ces initiatives-là. Fait que ça, c'est une chose. Une deuxième chose que j'aurais le goût d'ajouter, il n'y a pas d'espace en ce moment dans la plupart des arrondissements à Montréal ou même au Québec en général où les personnes vont se regrouper et vont pouvoir parler des projets puis développer des projets. En ce moment, il y a les bibliothèques qui sont des endroits publics, oui, mais ne sont pas adaptés à des groupes citoyens qui veulent développer des projets à cause des heures d'ouverture, par exemple, qui ne sont pas adaptées. S'ils ferment à 6 heures, à 18 heures, je veux dire, les personnes qui veulent s'impliquer dans les projets dans leur communauté, c'est après 18 heures parce qu'ils travaillent la journée. Donc, c'est un exemple. On manque d'espace, on manque de financement. Il y a aussi un manque de visibilité à donner à ces projets-là. En ce moment, pour les personnes qui aimeraient participer à notre projet, c'est très difficile de savoir qu'on existe. On a une page Facebook, il y a un site web qui existe, mais on n'a pas les ressources pour faire la publicité, la promotion comme des entreprises. Donc, c'est très difficile pour nous de faire connaître notre projet. Et en ce moment, disons, oui, l'arrondissement peut faire une publication dans leur réseau, mettre l'information dans des courriels, mais de manière générale, il manque aussi de visibilité pour les projets citoyens. Puis ça, c'est trois éléments. J'en mentionne trois pour commencer, mais c'est juste pour dire c'est difficile alors que certaines organisations comme des entreprises, parfois, vont avoir les ressources, par exemple, pour avoir un espace, vont avoir les ressources pour avoir de la visibilité en payant de la publicité énormément. Mmh. Nous, on n'est pas dans ce contexte-là, malheureusement. Merci beaucoup, Mathieu. Je m'inquiète un peu avec le temps, mais Sandra, si vous pouvez faire une petite réflexion et qu'on fait la conclusion sur cette panel. Vous avez une question. Vous croyez que la micro-gestion, comme à Montréal, peut aider beaucoup les modèles de micro-gestion, c'est ça? Oui, c'est de ça que je parlais, parce que je pense que ça, c'est un modèle effectivement qui aide beaucoup dans la discussion plus directe avec les citoyens. Les maires d'arrondissement, ils ont un contact direct avec les citoyens. Ils habitent dans le même quartier, alors ils savent quels sont les besoins. Et c'est beaucoup plus simple de faire cet échange quand on sait, on connaît et on a cette ligne ouverte, je dirais. C'est comme notre plus grand problème quand on est dans l'innovation, surtout en co-création, c'est de pouvoir comprendre ce que l'autre il est en train de nous raconter. Et quand on raconte ça, par exemple, dans la macro-gestion, on a l'impression que le problème, c'est, je ne sais pas, mettre plus de ruelles vertes. Et finalement, peut-être que le problème, ce n'était pas du tout ça. Le problème, c'était vraiment que les gens veulent avoir plus d'accès, je ne sais pas, à créer et élever leur propre pool. Alors, la définition de c'est quoi une ruelle verte est très différente par rapport au quartier, par rapport à comment les gens pensent ça. Et je pense que c'était Labiac qui parlait d'innovation, qu'il faut expliquer aux gens c'est quoi l'innovation. Mais nous, quand on explique ça, on explique selon nos yeux. On ne sait pas pour eux c'est quoi innover. Parfois, juste changer une vis de place, c'est déjà de l'innovation et ça serait amplement suffisante. Alors, je pense que je voulais juste prendre 30 secondes pour raconter un projet qu'on est en train de faire en ce moment
à Bahia avec un groupe de jeunes de 10 à 13 ans qui a un décrochage immense scolaire. Et on est en train d'utiliser et ils travaillent dans un endroit qui sépare les ordures. Alors, c'est vraiment pas évident. Et on est en train d'utiliser des réseaux sociaux. Alors, quand on parle de visibilité, Mathieu parlait tout à l'heure de visibilité, comment on va engager la population, c'était une grande question. Mais il y a une population jeune, c'est les formateurs d'idées, sont eux qui vont pousser leurs parents, qui sont très accrochés au TikTok en ce moment. Et là, des petites vidéos TikTok, mais pas nous, qui eux, ils sont en train de mettre sur les réseaux sociaux qui vont partir pour faire de la collecte, nettoyer une plage, etc. Alors, est en train de créer un engouement autour d'une idée. Alors, la pandémie nous a donné beaucoup plus de réseaux sociaux et de rencontres virtuelles. Peut-être qu'on aime moins ça, mais ça nous a donné plus d'opportunités de rassembler et de pouvoir discuter des idées plus facilement. Alors, je pense que c'est à nous de saisir aussi les moyens technologiques que nous avons en ce moment pour pouvoir aller chercher plus, ou mettre en liaison l'écosystème d'innovation que nous avons en ce moment. Parfait. Merci beaucoup, Zandra. Donc, je crois qu'on a... On n'a que touché le problème dans cette discussion presque 2 heures, c'est ça, Fernando? Et ça, pour nous qui nous sommes chercheurs, on essaie de trouver, c'est très passionnant, non? Donc, on veut avoir des problèmes comme chercheurs et je crois que la contribution que quelques réponses qu'on peut apporter dans ces projets-là, ça va faire la différence. Ça va faire la différence au Brésil, au Paraná. On veut vraiment faire attention à tout ce qu'on croit qui puisse être d'intérêt commun entre Montréal et au Canada, au Paraná. OK? Donc, merci encore à vous tous, à Zandra, Labiak, Mathieu et Maxime pour votre réflexion. Et je retourne la parole à Fernando pour finir. Merci, Fernando. Merci, Louis. Et moi, je me remercie pour faire fermer cette séance. D'abord, remercier nos invités, Catherine, Michel et André, qui nous ont accompagnés dans le premier panel. Sylvestre, Mathieu, Sandra, Maxime et toi aussi, Louis, qui nous ont accompagnés dans ce deuxième panel. Ça, c'est le lancement d'un projet. Moi, j'aimerais juste glisser un mot parce que c'est vraiment le début. Donc, on est très content de débuter avec avec cet niveau conceptuel et les changes méthodologiques qu'on a eus. Le projet, c'est un projet soutenu par le ministère des Relations internationales de la Francophonie. C'est un projet dans le cadre du programme de coopération bilatérale entre le Québec et le Brésil. Et donc, l'objectif, c'est d'explorer des stratégies permettant d'engager les citoyens dans les processus d'innovation. Donc, c'est pour ça qu'on voulait commencer avec cet entretien sur des questions conceptuelles, comment est-ce qu'on approche, qu'est-ce qu'on envisage, quelles sont les pratiques, qu'est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça ne fonctionne pas, quelles sont les difficultés, les réussites, etc. Nous allons maintenant, dans un deuxième moment, identifier, on va faire une enquête pour identifier, pour dénicher précisément ces expériences et pouvoir essayer des orientations, des choses pratiques qui puissent aider autant dans les processus au Québec que dans les processus au Paraná, mais même ailleurs en Amérique latine, on a eu des participants de la République dominicaine, la Colombie, du Mexique. Donc, vraiment, c'est un sujet de grand intérêt. Et moi, personnellement, je suis très intéressé vraiment pour la qualité de la discussion. Donc, on a eu vraiment des choses du point de vue conceptuel très fort. Par exemple, la question de la coproduction, oui. La question où se trouvent les citoyens. Comme disait par exemple Catherine, oui, il y en a un intérêt pour faire participer les citoyens, mais quelles sont les stratégies pour y parvenir à cette participation-là? Est-ce qu'on devrait, par exemple, inclure la question de l'innovation sociale dans les processus d'innovation des entreprises? Donc, moi, je pense que ça, c'est intéressant à voir. Et il y avait toute la question aussi de la...
comme disait l'expérience du Paraná, du Mural Burn Up, donc il y a vraiment comme des points d'articulation qui pourraient stimuler la participation citoyenne. Toutes les questions qu'on a été soulevées sur la culture de la participation, est-ce que ça diffère vraiment beaucoup au Québec qu'au Paraná? Est-ce que ça fait un changement important? Est-ce que ça doit passer par un endroit pour l'autre? Donc, je crois que c'est vraiment des points de départ et la discussion est ouverte. Évidemment qu'on a fait on a brossé un portrait très, très, très général sur la question. Je crois, et lui, c'est aussi nos amis du CRUM qui on va approfondir ces discussions-là. Donc, probablement, on va programmer d'autres webinaires ou d'autres moments d'échange. Et moi, j'étais aussi intéressé de voir comment on discutait la question des espaces d'innovation. Donc, il n'y a pas d'espace. Mathieu, tantôt, qui disait les bibliothèques, moi, la bibliothèque ici du quartier, j'étais étonné parce qu'il y a un FALAB dans la bibliothèque. Et il y a un FALAB qui est beaucoup plus puissant que plusieurs FALAB que j'ai connus dans des universités latino-américaines. Hein? Mais probablement que le FALAB était fermé à 6 heures. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que ça, ici, c'est un espace précisément que nous, on aimerait précisément stimuler l'échange. Donc, merci beaucoup. On va arrêter ici et merci à nos invités. On va partager l'enregistrement. Vous pouvez aussi le partager. C'est vraiment un espace ouvert et on vous donnera des nouvelles sur les prochains pas. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Obrigado a todos, todas. Oh, y a une prochaine. Merci beaucoup.